In all honesty, I don't know too much about your normal world anymore. I left it so long ago. And while I'm curious about it, I don't think I could ever go back. But from the look of things, if we continue down this path, that might not be an option anymore. Do you really think if I had a choice in the matter, I'd be holed up in this old oak for hundreds of years? Well, maybe I would at that. But at least I'd have a choice. I could have moved to Paris or Barcelona, gone to the movies, eaten some proper cooking, fed the ducks in the park, and seen how the world's been getting on. I'd have had a choice. But I have no choice. I need to stay. Keep an eye out for trouble here. And trouble just found us. I watched what happened on the Pewter. When they blew a hole through the world in Tokyo, it stirred up trouble here. I'd been having my hands full since. The Deathless. Lilith always knew how to torture me. And I always knew how to put a stop to her shenanigans. I'm not sure what she's up to these days, but I'm sure it's no good. No good at all. By the time I got here, Lilith already had her little cult of worshippers. She made them immortal. That's her power. But I managed to bind them. For as long as I stay around. But they're straining against their bonds now. Lilith's servants, all of them, everywhere. We'll just have to start here, with the Deathless. While there's still time. You don't have to drink that. It's execrable. Thousands of years, and I never learned to cook a good pot of tea. Thank you.
était deux nanas et un mec à partir en vacances. Et là, il n'y a plus que les filles, qui sont au mauvais endroit, au plus mauvais moment, et qui voudraient rentrer chez elles. C'est mon frère qui a voulu venir ici. Je ne sais pas comment il a entendu parler de cet endroit, ni pourquoi il tenait à y aller. Mais en tout cas, on a suivi le mouvement, et il a disparu. On n'a plus qu'à se battre, en espérant qu'on arrive à se tirer d'ici. Mais on connaît personne ici. Personne! Pour être honnête, j'ai pas non plus franchement envie de faire connaissance. Ça servira à quoi? T'as raison. C'est pas la peine de s'attacher à quelqu'un qui aura disparu dans pas longtemps. De toute façon, je vois bien comment ça va se finir pour nous. Comment ça va se finir pour tout le monde ici. Il est pas net, ce moulin. Mais c'est pas un moulin ordinaire, en tout cas. C'est clair. Regarde un peu la taille qu'il fait. C'est dingue! Et on dirait qu'il y a comme une sorte d'énergie magique ici. La nuit, des fois, on pourrait croire qu'il rayonne. C'est flippant! Mais bon, si on n'arrive pas à se barrer d'ici, on va finir par y rester pour de bon. Et ça sera notre tombe! Il voulait absolument venir ici. C'était bizarre. Et puis, comment il a pu payer pour tout le monde? T'as pas assez sali sa mémoire comme ça? Il faut que tu l'accuses maintenant? Mais je l'accuse pas. J'essaie juste de comprendre. Pourquoi ici et pas ailleurs? Mon frère ne mijotait rien du tout. Il détestait les secrets. Il n'aurait pas joué avec ma confiance. Tiens, en parlant de jeu, ça me rappelle que la nuit, il aimait bien jouer à touche-pipi. Mais tu veux la fermer? Les secrets, ça craint. Ça divise les gens, et ceux qui les gardent, faudrait les flinguer. On ne peut pas faire sans. Il se passe tellement de choses dans le monde. Tous ces intérêts qui entrent en conflit, toutes ces vies qui se télescopent. Parfois, il vaut mieux ne rien dire pour se protéger de... De quoi? De la vérité? Et au nom de quoi tu décides pour les autres? Tu sais même pas te vernir les ongles, c'est moi qui te les fais. Bon alors tu suggères quoi? Qu'on dise aux petites filles que le Père Noël est bidon? Qu'on crée la panique en parlant de ces monstres? Les gens sont pas prêts à tout entendre. C'est toujours mieux que de leur mentir. Ils ont tué mon frère, putain! Mon petit frère chéri! Je sais, c'est horrible. Mais tais-toi! T'as pas pu t'empêcher de lui mettre le grappin dessus! The two of them! Sneaking off at night to play their little game of touche-pipi! Céline, s'il te plaît! Laurent, a brother, was killed by Wolfman. And she blames me. Parce que tu penses qu'à ça, bordel! Il serait encore en vie si tu... We were together, me and Laurent. We were in love. We wanted to tell her, but we were afraid she will lose it. But it was Laurent, not me, who insisted we come to Romania. He was so excited. He was the one who wanted to see the windmill, to spend the night in that cabin, to take the midnight walk, the two of us alone. I didn't think. I was caught in the moment. Forcément, t'es complètement taré de la tête. How could I have known? The wolves came from everywhere. We ran back to the cabin and he was right behind me. Then he wasn't. We returned here, we shouted his name. Céline lost her phone, we couldn't call him. And we haven't heard from him since. Allez, il n'y a plus que nous deux maintenant. Comme avant. Les loups-garous, c'est pas une espèce en voie de disparition, hein? Approaching best of breed in this sector. Did you sell insurance in a previous life or something?